Hey peuple de YouTube, ici Monsieur Zombificateur, bienvenue pour cette vidéo unboxing. Donc j'ai enfin reçu mon Oculus Rift CV1. Alors je sais pas si je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo, mais j'ai commandé le tout dernier Oculus, le pack complet. Donc on a eu ces deux cartons, celui-ci que vous voyez et celui-ci. Donc on va les ouvrir. Je vais pas faire de branchement ou quoi que ce soit. Là vous me voyez, voilà, coucou. Je vais pas faire de branchement ou quoi que ce soit. Je vais juste faire une vidéo déballage. Pour ce qui est de la jouabilité, des vidéos, tout ça, je vous ramène à mes prochaines vidéos Oculus. Donc j'ai désinstallé le DK2, tout ça, je l'ai rangé dans sa boîte habituelle. Et je vais installer celui-là par la suite. Et moi je vous donne rendez-vous prochainement pour les prochaines vidéos là-dessus. Mais pour aujourd'hui, on va se contenter d'un petit déballage, un unboxing. Donc c'est parti. Donc je vais commencer par ouvrir celui-ci. Alors là, ça, il s'agit... ça c'est de la patate. Il s'agit des fameux contrôleurs touch de l'Oculus, comme vous pouvez voir, par Facebook, from Facebook. Ah putain, c'est de la bombe. Tu vas voir à quoi ils ressemblent. On va ouvrir. Oh là 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 là. Ah oui, ils nous ont mis le fameux capteur ici. On a, je sais pas si vous voyez, on a un fameux capteur ici. Ça, je crois que c'est des câbles. Le petit carton ici, là, ça doit être des câbles. Et là, on a les fameux contrôleurs. Oh putain, ça doit faire bizarre. Oh là là, regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez bien. Petit contrôleur, on en a deux. Voilà pour ce qui est des contrôleurs. Donc, je vais les remettre comme il faut dans leur boîte. Magnifique boîte d'ailleurs, comme vous pouvez voir. Très joli. Ce qui donne envie, ce sont surtout les jeux qu'il y a derrière. Le fameux carton pour le casque. Donc, c'est parti. Là, et on dirait que je suis en train de couper du pain, sa mère. Ah d'accord, ah, carrément. Non, attends. Bah carrément. Oui. The big valise. Regardez-moi ça. Une putain de motherfucking valise. Donc là, normalement, dans ce pack, on a tout ça. La manette, le casque, un capteur en plus, sans compter que j'ai vu un capteur aussi dans l'autre pack qu'on vient de déballer précédemment. Plus une télécommande pour le réglage de son, tout ça. Et normalement, je crois qu'il y a une dragonne aussi au bout. Donc on va l'ouvrir. Tac. Voilà. Ouh là 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 là. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Alors là, on a un capteur. Un capteur supplémentaire. Derrière ce capteur qui est ici, on a la manette à l'intérieur. On a un câble pour la manette, je crois. Ouais, on dirait. Mais c'est une manette sans fil normalement. Donc là on a le fameux casque bien évidemment, avec écouteur intégré. Alors attendez, hop là, je vais voir si je peux le sortir. Putain, il est léger hein, comparé au DK2. Ouais, le fameux casque. Donc là on a le fameux casque stéréo, donc on n'est pas obligé de le laisser. On peut très bien le dévisser à l'intérieur aussi, il me semble. Moi pour ma part, j'ai un casque 7.1, donc je pense que je vais le dévisser pour faire des vidéos. Mais sinon, quand je ferai des jeux en solo, sans faire de vidéo ou quoi que ce soit, je les remettrai, je pense. Donc du coup, voilà mes chers amis, petite vidéo unboxing. Donc j'ai un petit peu galéré à le faire parce que là j'ai du monde qui attend dehors d'ailleurs, qui vont devoir rentrer. Ils arrivent juste quand j'enregistre, c'est un petit peu la galère pour moi en ce moment. J'ai pas mal de monde qui vient à la maison. Mais moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une vidéo sur ce fameux Oculus. Et j'ai très hâte de l'essayer. Et je pense qu'on va s'amuser comme des petits fous. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis ciao les amis, portez-vous bien, salut à tous, peace.